Toujours au domaine de la solidarité, je fais cette expo virtuelle et en même temps pour parler et pour vous parler de Abdelali Lachoua, l'artiste peintre. Abdelali Lachoua est né le 12-4-1965 à une petite ville qui s'appelle El Hajeb, située au Moyen-Orient. C'est la portail du Moyen-Orient, du côté du Meknès, ça veut dire la plaine Seys, ça veut dire les beaux tableaux, la nature, l'eau, les montagnes, les arbres, et même le climat, l'air limpide, il n'y a pas autour des usines qui polluent l'air. Pour moi, eh oui. C'est ça la question. Depuis quand j'ai commencé à pratiquer ou à peindre, ça remonte à longtemps. Automatiquement, comme tous, on essaie d'imiter parce que l'éducation au domaine de l'art à l'époque faisait défaut. Et moi, c'est bon de dire la vérité, j'ai quitté l'école à un âge précoce. Ça veut dire tout ce que j'ai acquis, c'est autodidactement, d'une façon autodidacte. Bien sûr, il y a des conseils, il y a des orientations un peu des amis. Et je tiens à remercier tout prof d'art plastique, mes amis qui m'ont fournit des informations. Pour moi, tout mon parcours au domaine d'art, c'est la recherche dans la couleur, dans la signification, et aussi on parle de signification, on doit aborder tout style d'art. Moi, je ne suis pas spécialisé dans un style, un seul style. Donc, il y a du mixing de styles. Parfois, on trouve différents styles dans un tableau, tel que cubisme. De toute façon, je vais vous laisser par la suite voir les tableaux. Et oui, c'est comme ça. Et bienvenue pour toutes vos questions au domaine. Je suis autodidacte de formation de A à Z. Pour la littérature, j'ai connu Victor Hugo traduit en arabe à l'âge, je crois, de 12 ans. Les Misérables, j'ai connu plusieurs, même traduit en français, Ernest Hemingway, pour qui sont le glas à un âge précoce. Donc ma formation est professionnelle. Pas entre guillemets. Il y a des formations professionnelles que j'ai acquis aussi. Il y a différentes spécialités, soit par visionnage, à la recherche, c'est comme ça, même à la topographie, le report du point sur la carte. C'est comme ça que je me suis fait, ou les circonstances m'ont bâti. Tout, un peu tout, je suis comme ça, simple, et j'essaie toujours de donner aux autres. Automatiquement, j'ai rentré au domaine associatif en créant moi et avec. C'était mes idées pour ne pas être. Il y avait l'association pour l'environnement, elle est très connue dans mon village, association Enkhen pour l'environnement et le développement. Il y a aussi une autre association, le nom
L'association Al-Ahlam, ça veut dire les rêves pour les beaux-arts. Cette association, il travaillait au sein d'une école avec automatiquement les enfants de l'école et ainsi de suite. Ils venaient d'autres écoles. C'était ouvert. On travaillait quotidiennement, surtout avec une philosophie de l'approche à l'enfant. Ça veut dire la relation de l'école avec l'enfant, et c'est pas le contraire, en travaillant toujours sur le thème de rehausser le rendement de l'éducation à travers les hobbies et les dons. Et moi, comme président de l'association, et à travers une expérience quotidienne avec les enfants, j'ai formulé une petite recherche et je l'ai déposée à la délégation régionale de l'éducation nationale à El Hajeb. Il y avait bien sûr une femme responsable, ça veut dire madame le délégué, et je ne parle pas comme ça, mais c'était des choses pour combattre avant tout l'abandon de l'école pour les enfants. Même des recherches, un petit psychanalyse, suite des humbles connaissances au domaine du psychanalyse et comme ça. De toute façon, mon parcours artistique, c'est comme ça. Elle est autodidacte à la recherche, comme ça. Donc, je vous laisse voir automatiquement pour cette nuit, ce sera les tableaux qui ont été les œuvres qui ont été faites en France, ça veut dire après l'immigration. Je vous laisse à chaque tableau son titre, mais pour l'instant, il y en a des tableaux parce qu'ils sont beaucoup, mes enfants, ils sont beaucoup, donc je vous laisse et merci de suivre et chapeau à toute personne qui donne pour l'autre à ce moment-là, comme signe de solidarité, aussi hommage au corps médical à travers le monde, et aussi toujours une pensée vive aux victimes. Avec un peu de musique et un peu de la narration, des commentaires parfois. Donc je vous laisse, merci. Bienvenue. Ça, c'est tableau tache. C'est de la peinture à huile. Maternité. Je me souviens pas du nom. Solitude. C'est un grand tableau, 3 mètres sur 2. Ça, c'est un tableau à deux visages, ça veut dire double face. Je vous laisse. C'est l'ombre de l'amour. L'homme sage. Il y a des bas-reliefs, c'est toujours du mixage, c'est de la terre avec des couleurs automatiquement. Les dons de la solitude.
la pluie blanche des bidonvilles. Soirée d'été. Après le dernier train, le jour de mai. Un pas vers le haut, s'aborde le sujet de la mort. Le retour au futur. L'enfance exploitée. Station, c'est un grand tableau de 3 mètres sur 2. Triptyque. Soumis à. Soumis avec E à la fin à. S'aborde les droits de la femme. Et la relation avec la femme. Et la société, la relation de la société avec la femme. Les empreintes du passé. L'illusion. La rage du soif. Lassitude. La lassitude elle-même. Le poids du passé. Time awaits. La veuve. Gitana. Carnot. Passagère sous la. Ivresse. Cadre. Paris sous la joie. Pour moi, Paris, c'est les gens, et c'est pas la tour Eiffel. Citadine 1, la vie citadine, il y a 1 et 2. Voilà, vie citadine 2. Évasion. Ce sont des petits formats.
vous avez pu suivre, c'est comme ça. Donc, joyeuse nuit prochaine. Il y a d'autres tableaux que je crois que j'ai oubliés, mais d'après ce que vous voyez.